Bonjour et bonsoir à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de la Crise Night TV, donc toujours en compagnie du petit Iron. Bonsoir Iron. Salut Crazy, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Moi, ça va, tranquille. Tranquille, hein, bah de toute façon, il n'y a rien qui passe de spécial parce que là on enchaîne les épisodes. Mais bon, vous vous attendrez avant de regarder parce que nous on est prêt, on est un peu VIP donc on voit les épisodes avant tout le monde. Non, je rigole. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah que ça va être un nouvel épisode. Tout simplement de Dead Space. Donc, épisode 5 de Dead Space, retard prévu. Compte du Terra Nova. Donc comme vous l'avez constaté à l'écran, bah quand même, l'environnement a changé. Donc on s'est déplacé en soucoupe. Donc là on va au deuxième étage. Donc voilà. Donc je vais profiter de ce moment d'ascenseur pour remercier une personne. Donc j'ai remercié Ayn Rand Stark 25 pour la patience et la présence dans ma vidéo YouTube. Parce que je pense qu'avec tous les bugs de merde qu'il y a eu et tout, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui auraient déjà abandonné. Que ça soit bug du jeu et bug tout simplement de mon ancien micro. Donc voilà. Je m'attendais vraiment pas que tu me dises un tel truc. Comment? Je dis, je m'attendais vraiment pas que tu dises ça sur moi. Ah oui, mais moi je suis surprenant moi. Ah oui, j'ai remarqué. Donc pendant la petite pause aussi j'ai eu une petite éclair dans ma tête, une petite ampoule comme on dirait. Donc je pense qu'on va pas leur montrer les artefacts. Parce que ça sert à rien de leur montrer, parce que tout simplement ça casserait un peu le plaisir des novices, je pense, à chercher les artefacts comme on a eu fait de chercher tout simplement. Donc peut-être qu'on peut leur donner quelques trophées, mais pas les artefacts. D'accord. Voilà. Donc franchement, il y a certaines parties. Attendez, on va laisser parler. C'est la plus grande case de l'espace ici. Je vais la réparer. Donc voilà. Donc le flipper il s'énerve là. Donc voilà, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc juste par indice que chaque recoin en fait de chaque map, faut bien regarder parce que les artefacts peuvent être à tout endroit franchement, que ça soit dans l'espace ou dans tous les environnements qu'on se promène tout simplement, derrière les caisses, etc. Donc j'en dirai pas de plus. Donc là j'entends un monstre. Ah. Donc voilà. J'entends pas un monstre. C'est bon. On l'a que tu as découpé. Ah, avec encore un. Oula. Petit salaud. Les petits bestioles que tu adores. Les petits moustiques, ouais. Donc maintenant, je vais vous présenter tout simplement. Oh. Attendez. D'abord, je les dégomme. Donc voilà. Donc maintenant, si vous avez jamais vu un aspirateur vivant, donc Donc je vais vous présenter Monsieur Aspirateur. Donc c'est Iron Aspirateur. Donc allez, fais ton boulot. Fais ton boulot d'aspirateur. Attention, regardez. Okay. Hop, regardez, il aspire tout. Moi, je casse tout et lui. Il aspire tout. Donc c'est le duo ventilateur, j'allais dire. C'est le duo aspirateur et destructeur. Hop. Par moment il sort des caisses de je ne sais où. Je crois qu'il les sort de sa poche, tel un magicien. Allez on y va. Ouais. Donc ici normalement vous avez votre premier robot.
Et là, ça fait un troisième, si je ne me trompe pas. Espérons. Ben, je sais pas. Si y a un système de bug dessus, on pourrait accumuler plusieurs charnières, mais je pense pas, en fait. Je pense qu'on va quand même garder les deux. Donc, on va voir. Qu'est-ce que ça donne ? Voilà, toujours deux. Ils ont pris en compte quand même ça. Ouais, il y en a toujours deux. Dommage. Donc, ils ont quand même pris en compte ce truc-là. Imagine, on aurait 5 robots. Parce que moi, j'en ai perdu un en mode normal. Je sais pas comment, mais j'en ai perdu un en mode normal. Chien. Exactement chien. Wow, 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 chaud du tout. Voilà. Mais ils sont contre. Je vais bouger. J'arrive. C'est au plaisir. Hop là. Merci. Donc ça, c'est une arme très efficace. Après, j'en ai encore. Oups. Oups. Je me suis fait encore péter la gueule. Ça va ? Ouais. Bon ? J'ai pris des sacrés explosions dans ma tronche, mais heureusement que j'étais résistant. Heureusement que Carver est un tank. Il en casse-tu alors ? Ah ouais, trop. Ah, le petit bestiole. Petite saleté. Ok, on attaque. Mais venez. Déchiré. Bon. Voilà. Donc on va vite fait aller dans l'établi. Histoire de faire un petit tri. Donc ça, on s'enlève, ça, on enlève. Donc toujours prendre des gros kits de soins parce que les petits ils servent à rien. Enfin si, ils peuvent servir au moment où que vous le ramassez, mais pas stocker quoi. Parce que stocker c'est de la merde. C'est bon, hop, on y va. Oula. Oh super. C'est bon. On avait encore. Hop, voilà. Donc je sais même plus ce que j'allais dire, donc tant pis. Ouvre. Sésame, ouvre-toi, on dit. Voilà, tu vois, ça marche. Et Sésame meurt. Oui. Voilà. Donc là, hop. Tiens, d'ailleurs, toi qui as déjà joué au Dead Space 1 et 2, oh mince. Oui. Attends, on tue d'abord. Attends, il y a encore un. Ouais, je l'ai eu. C'est bon, il a eu. Oui. Donc question? Voilà. Donc je disais, toi qui avais joué à Dead Space 1 et 2, moi aussi j'avais joué, mais ça ne m'avait pas marqué plus que ça. A-t-il des nouveaux monstres depuis... Bah, Dead Space 1 et 2, là, y a-t-il des nouveaux monstres dans celui-là, je pense. Bon, pour te dire franchement, y a des nouveaux monstres, mais le truc, c'est que ils ont amélioré, plutôt, pas amélioré, plutôt ils ont fait les monstres d'avant venir plus laids. Ce sont les mêmes, seulement en plus laids. Donc là il y a une petite... Nouveau, on n'en a pas tellement. Ce sont des anciens même. Regarde l'exemple. Celui-là c'est un ancien. Ouais, celui-là il a toujours été moche. Ils ont tout amélioré un petit peu. Hop là. Parce que dans les précédents il était dedans. Parce que celui-là je me rappelle au début. Il était encore plus moche. Voilà. Non, moins moche. Là, non, mais plus moche graphiquement, je veux dire. Mais là, il est plus beau en détail, quoi. Il est moche, mais voilà. Détaillé, quoi. Alors qu'avant, il était moche graphiquement, quoi. Ça faisait une grosse merde, on va dire. Une grosse merde rouge au mur, quoi.
Par contre, je pense que les ceux qui chargent là, plus tard, je pense que c'est pas des nouveaux ceux-là. Non, non, ce sont les anciens même. Hein, parce que je les ai pas reconnus. Ils sont pas améliorés. Ils sont pas améliorés. Ils sont toujours les mêmes. Avec des petits campus. Peut-être graphique. Ouais. C'est pas ça, non. Bon, ben, tu me couvres. Ouais. Comme d'hab. T'inquiète, ça gère. Bon, d'abord, on ramasse tout. Donc là, je suis désolé, Iron, parce qu'elle a dit est-ce que tu peux le virer. Donc je dois te virer. Donc expulser le joueur, moi j'ai. De toute façon, je peux pas parce que je suis pas là. Bon, vas-y, okay. Je te couvre. Ok, là. Allez. Voilà. Le dernier. Là. Donc là j'ai fait un léger fail, donc ça a pu me causer la mort. Oh. On a touché. Ça, ces monstres-là qui dégueulent, ils me font un peu penser aux monstres dans... Je sais pas si t'as déjà vu Scooby-Doo ou quoi en film, mais... On dirait franchement une putain de bouse. Laisse tomber, quoi. Je me souviens pas. Je m'en fais pas. Encore ? Pourquoi t'as remis la vidéo, toi ? Quoi ? T'as remis la vidéo en route, là ? Ouais, Scooby-Doo. Tu peux aller du Scooby-Doo, je me rappelle pas de quel monstre tu peux. Bah, le monstre qui dégueule à chaque fois, là, des boules, des trucs, quoi. Je sais plus si c'était dans les dessins animés ou dans les films, d'ailleurs. Oh ! Ouais. Surprise ! T'inquiète, mais il est mort. Ouais, il est mort, c'est celui dans l'ascenseur. Enfin, celui qui était dans l'ascenseur. Le temps qu'il n'existe plus. Et d'ailleurs, qui a disparu, il a laissé un kit de soins numéro 2. Un gros kit de soins dans le vide, quoi. Donc voilà. Et on tombe. On tombe. On tombe. On tombe. On tombe. Pour la peine, on fait une descente tout en beauté. Oui. Et qui va... vraiment faire mal. Mais non. Même pas mal. Ça, bah oui. Donc là, il y a un petit audio, vas-y, prends-le. La méduse. Attention. Oh, moi qui vais changer d'arme, je vais prendre le fusil à pompe. Et ce mec, il dégomme tout. Et je peux rien faire. Et voilà. C'est grave. C'est très gênant. Je peux rien faire.
Ouais, mais la mitrailleuse à longue portée, elle est beaucoup plus efficace que le fusil à pompe. Ah, mais j'ai retiré le pistolet à eau. Ah, le pistolet à eau, d'accord. Ah oui. Ah, notre pote. Ah, il veut quoi, c'est quoi? Il cherche des problèmes, quoi. Il est vraiment très moche, hein. On s'arrache. Ok. On s'arrache. Hop. J'ai ouvert la porte. Il faut juste le regarder. T'inquiète, je te couvre. Allô. Ouh, voilà, c'est ouvert, viens. Ouais. Voilà. Bon. Alors, on va prendre un fusil à pompe, comme notre ami Crane. D'ailleurs, moi, j'en profite pour créer une arme. Hey. Il tente rien à rien. Qu'est-ce que je pourrais créer comme arme? Là, j'ai fabriqué celle-là. À place du petit pistolet à eau. Hop. Ah. Donc on va être bon ça ou pas? Je sais pas, qu'est-ce que ça va donner? Tout dépend de ce que ça va donner. On a pas besoin. Tu me donnes 5 minutes avec toi, s'il te plaît. Hein? Je te dis, tu me donnes 5 minutes avec toi. Mmh. Ou moi. Moi, des 5 minutes, si c'est pas ok. Bon. C'est pas tout, les gars. Alors, je tire, les gars. Mmh. Bon. Bon. Mmh. Pour faire des gars et c'est pas si et ça l'a je mets un dégât un chargeur le chargeur et le chargeur. Non. Donc je vais mettre en recharge un peu. Bon. On gardera le reste plus tard et voilà. Voilà, voilà. Hop. Donc je mets le jus de machine. Parce que support médical. Donc vu qu'il me dit dépêche, moi je prends mon temps. Voilà. Non, c'est pas à toi. Ah. Je peux aller personne, j'ai dit, je pensais que ça allait finir. En fait, il parlait tout seul, simplement.
Je vous la porte, je m'en occupe. Parfait. Allez, viens. Ok. J'étais occupé en train de le déchirer. Voilà, hop. Oui, moi aussi je déteste ces trucs. Ok, je suis arrivé au train. On dirait qu'il dessert les stations du centre et de la pompe. C'est dommage qu'avec un lance-flamme on peut pas les cramer, c'est con, hein. C'est le centre opérationnel. Voilà qui est intéressant. D'après les registres, de nombreuses ressources ont été retirées de la pompe. Donc on va s'arrêter ici, je pense, pour un nouvel épisode. Ok. Si je les retrouve, je vous fais signe. Terminé. Vous arrivez au centre opérationnel. Donc on doit aller jusqu'aux pompes, nous, non? Voilà. Bah, j'avais appuyé, mais toi t'es parti. Donc ici, il y avait une mission secondaire qu'on fera plus tard. Donc ça fait combien de missions qu'on voit? Pour l'instant, il n'y a que deux missions secondaires. J'aime bien t'exploser ta tête. Voilà. Bon. Voilà, une petite sauvegarde. Donc c'est sur ceci qu'on va se laisser. Donc moi je vous dis au revoir et un prochain épisode. Get ready for the next battle.